Salut les gamers, c'est Pat DM de Gaming et aujourd'hui nous faisons le test du jeu Ghost Runner sur la Xbox One. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce test du platformer de type slasher extrêmement rapide qu'est le jeu Ghost Runner, qui en fait est un jeu tout bonnement de rapidité de type speedrun, d'acrobatie et de vitesse d'exécution de tous les mouvements, de tous les gestes que vous allez faire en jeu en tant que Jack le Ghost Runner. Pour expliquer un peu le principe du jeu, en fait, c'est un jeu de type, je vous dirais, là, c'est un jeu de type essai-erreur, dans lequel vous avancez dans des différentes zones de tableau et où vous devez soit affronter des puzzles ou des ennemis de façon extrêmement rapide, en courant, en sautant, en courant sur les murs, en vous agrippant avec votre grappin et en utilisant diverses techniques comme la possibilité de ralentir le temps, de faire ricocher les balles des ennemis pour que ceux-ci puissent les manger en pleine poire à leur tour, et le tout vraiment d'une façon machiavélique. C'est débile, c'est extrêmement rapide, et ce qui rend le jeu encore plus intense, c'est que vous n'avez pas de jauge de vie. Vous vous faites toucher une fois, vous êtes mort. Vous tombez dans un trou, vous êtes mort. Vous manquez votre saut, ben, vous allez tomber, vous êtes mort. Donc c'est vraiment un jeu de répétition encore et encore et encore. Ça fait penser un peu à Trials ou à Hotline Miami là, dans certains points, mais c'est tout simplement comment je pourrais dire, il n'y a pas de façon de le décrire vraiment de façon autre que de dire que c'est un jeu boosté d'adrénaline qui va vous donner vraiment beaucoup d'intensité, de vivacité, qui va vous mettre sur le stress du début à la fin. Écoutez, on se cachera pas, oui, il y a déjà des gens qui ont terminé le jeu, des speedrunners qui ont fait le jeu en moins d'une heure. J'ai vu une personne, entre autres, le faire en 57 minutes. Moi, de mon côté, en 57 minutes, si j'ai réussi à faire 3 tableaux, c'est quand même pas pire. Écoutez, c'est vraiment très, 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 très intense. C'est dans un jeu sur lequel vous n'avez pas le choix de faire de la répétition à tout va. Vous allez devoir, des fois, essayer de réajuster, d'apprendre à peut-être passer par d'autres chemins pour attaquer vos ennemis, pour essayer de trouver des façons qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre score, votre vitesse et à éviter de mourir. Donc, vous n'aurez pas le choix de peaufiner vos plans, puis d'essayer de trouver une façon où vous ne mourrez tout simplement pas. Écoutez, c'est le principe du jeu, c'est comme de réussir à prendre une bobine de fil, de lancer le fil d'une façon X pour qu'elle réussisse à rentrer dans une aiguille qui est à peu près à 25 mètres plus loin. Vous pensez que c'est irréalisable? Ça peut peut-être se réussir. Je vous dis pas combien de fois combien d'essais vous allez prendre pour pouvoir le faire, par exemple. Écoutez, c'est vraiment, c'est débile, c'est vraiment superbement bien fait. C'est un jeu qui est énormément difficile. Écoutez, je le dis depuis le début, c'est un jeu qui nécessite de la dextérité, de la rapidité d'esprit, puis vous allez probablement avoir de l'air soit super impressionnant s'il y a des amis qui vous regardent, ou comme là, vous présentement, vous regardez mes séquences de jeu, puis vous dites, ouais, mais c'est parce que là, il arrête pas de crever, il est ben poche. Ça prend de la pratique, ça prend beaucoup d'apprentissage, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique, puis c'est de la micro-gestion rendue là. Ce qui peut arriver à un moment donné, c'est que vous allez courir, mais si vous sautez une fraction de seconde trop tôt ou trop tard, soit vous allez manquer la prochaine rampe, soit vous allez réussir à agripper la prochaine rampe, mais pas dans le bon angle, soit vous allez vous faire mitrailler par un ennemi, parce qu'il y en a qui vont avoir des revolvers normaux, il y en a d'autres qui vont avoir des mitrailleuses. Écoutez, c'est quasiment impossible de réussir à passer au travers d'un tableau, ne serait-ce que sans mourir. Moi, je vous le dis, là, honnêtement, un boss, le premier boss, je suis mort 318 fois avant de réussir à le faire au complet.
c'est pas quelque chose de très facile à faire. Moi, ce que j'aime par contre, c'est qu'au niveau des principes du jeu, c'est que il n'y a pas juste du court, du rentre-dedans, du slashing. Plus que vous allez avancer dans l'aventure, plus que vous allez déverrouiller systèmes de skills qui vont pouvoir vous permettre d'imbriquer des blocs un peu à la Tetris, qui vont vous donner des boosts additionnels. Soit vous allez pouvoir sauter plus loin, ralentir le temps plus longtemps, voir les ennemis plus loin, réussir justement, comme je disais tout à l'heure, à faire ricocher des balles pour que celles-ci puissent rebondir sur vos ennemis. Il y a toutes sortes de choses que vous allez déverrouiller au fur et à mesure que vous, de votre côté, vous allez prendre dans vos arbres de talent que peut-être même moi, j'aurais jamais utilisé. Peut-être que vous, de votre côté, c'est quelque chose qui va vous aider. Mais écoutez, c'est très, 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 très bien fait. C'est un jeu qui est très frustrant. Je ne le suggère pas pour une personne qui a le moindrement le tendance à faire du rage quit ou à lancer la manette au bout de ses bras, parce que je vous garantis que vous risquez de péter votre télé au moins 10-12 fois. Je ne suis pas le genre de personne qui normalement va suer lorsqu'il va jouer à des jeux. Mais écoutez, quand c'est rendu que je prends ma manette puis je suis obligé de m'essuyer les mains pour reprendre ma manette par la suite, parce que là j'ai de la sueur, j'ai des grosses sueurs froides, j'angoisse parce que là je me dis, ben là faut que j'en réessaye, là ça fait 30 fois que j'essaye de passer à telle place, faudrait que j'essaye d'une telle autre façon, là faudrait que j'essaye de me rendre à telle autre façon, d'une telle autre manière. Écoutez, ça s'explique mal, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est très 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 intense. Je l'adore. C'est... Écoutez, je peux pas lui donner une mauvaise note parce que moi je suis pourri. Ok, je vais être honnête. Le jeu a une très bonne mécanique. Tout se gère, comme je disais tout à l'heure, c'est de la micro-gestion. Donc, tout ce que vous faites au niveau des contrôles, attendez-vous pas à avoir du input lag ou quoi que ce soit. Tout est instantané, puis vous avez pas le choix de le faire. Parce que si vous avez le moindrement la fraction de seconde de trop ou pas assez, ça va venir jouer dans votre gameplay automatiquement. Sinon, pour le reste, écoutez, c'est sûr que dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir venir impacter, comme je vous disais, là, au niveau des skills, entre autres, les compétences à la façon de Tetris. Ensuite, ben, vous allez pouvoir trouver des fois, de temps en temps, des objets au sol qui sont des petits goodies, là, qui sont des collectibles là, que vous pouvez utiliser, exemple, pour pouvoir avoir une autre couleur de sabre, une autre couleur d'armure, des choses comme ça. Écoutez, c'est un jeu cyberpunk-like qui est vraiment, vraiment cool, qui est vraiment bien fait. J'ai pas d'autre façon de l'apporter vraiment par rapport à ça. Moi, ce que je vous dirais de mon côté, écoutez, le jeu est très rapide, le jeu est très fluide. La musique est super bonne, est entraînante. Elle me semble qu'elle vous donne un petit boost de plus, un petit kick de plus pour vous dire « Ah, ben là, ça fait 128 fois que je suis mort, je vais peut-être essayer quand même une 129e fois. » L'optimisation du jeu est capotée. Je me demande déjà qu'est-ce que ça pourrait donner ce genre de jeu-là sur des consoles next-gen en étant sur du 4K, 8K, 120 frames per second. J'ai vraiment envie de voir ce jeu-là vraiment pousser la machine au maximum. Il est tellement bien fait. Chapeau sincèrement aux développeurs qui ont conçu le jeu. Entre autres, il y a 3D Realms, que les gens connaissent, entre autres pour les Duke Nukem, qui ont travaillé sur le jeu, entre autres de leur côté. Donc ça vous donne un petit peu le principe de qu'est-ce qui vous attend au niveau gore, au niveau langage ordurier, lorsque vous entendez des ennemis, puis au niveau du principe de ne pas vous laisser de chance. Les puzzles que vous allez faire au fur et à mesure sont intéressants. Des fois, il y en a certains que vous pouvez passer au travers. Il y en a d'autres que non. Il y a des fois certaines cartes que vous êtes obligé de tuer tous les ennemis pour pouvoir passer au travers. Et bien entendu, il y a des boss aussi qui sont dans le jeu, qui sont sacrants eux aussi. Écoutez, comme je vous dis, là, j'ai passé plus de 300 fois sur le premier boss. Je commence à être rendu quand même pas pire pour le faire, mais demandez-moi pas de le refaire par exemple, ça me tente pas. Écoutez, c'est la façon que je peux vous donner pour le jeu Ghost Runner. Il est super bien fait. Je le suggère fortement pour les gens qui veulent faire du speedrunning vraiment à très haute intensité. Par la mécanique,
par la musique, par les graphismes. J'ai pas le choix. De mon côté, je donne la note de 9 sur 10 à Ghost Runner. Un énorme merci. J'ai adoré sacrer ma vie à ce jeu-là. Je vais continuer de le jouer pareil. J'aimerais ça le finir au complet. Il va falloir que je mette mon orgueil de côté. Mais écoutez, c'est un bijou. Ça vaut vraiment la peine d'aller le chercher. Puis il est pas cher. Il est environ 40$. Fait que sur ce, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la prochaine. Keep on gaming.